Ce soir, nous avons au moins trois raisons de nous réjouir et de nous émouvoir. La première est que dans quelques jours, nous allons célébrer la naissance d'un enfant. À Noël, c'est Dieu qui, par amour, se fait proche de nous, qui se fait l'un de nous. C'est la raison pour laquelle, durant cette soirée, nous chantons et prions. La deuxième raison est l'émouvant témoignage des moines de Tibérine, qui allèrent jusqu'à donner leur vie par amour et fidélité à Dieu et à tous leurs amis d'Algérie. Le film des hommes et des dieux est dans toutes nos mémoires. Et nous entendrons une des belles méditations d'avant Noël, du prieur Christian de Chergé, ainsi que son célèbre testament. La troisième raison, c'est la venue en cette église Sainte-Marie ce soir de Michael Lonsdale, acteur talentueux et admiré, conteur incomparable qui nous lira quelques belles pages du prieur de Tibérine. Michael Lonsdale, un homme croyant et heureux de partager avec nous ce soir de son humanité, de sa foi et de sa belle expérience d'acteur. Nous accueillons tout à la fois le généreux frère Luc, le moine médecin de Tibérine, le prestigieux acteur Lonsdale et notre frère croyant Michel. C'est bien évidemment une seule et même personne à qui je dis, en votre nom à tous, une très cordiale bienvenue. Et maintenant, laissons-nous rejoindre et toucher par le témoignage des moines et par ceux qui ont essayé de restituer cette atmosphère, ce choix, cet engagement de ceux qui sont allés jusqu'à donner leur vie par amour. Bonsoir. Nous allons tout d'abord entendre un extrait d'une récollection que le père Christian de Chergé a donnée le 8 mars 1996. C'était un enregistrement qui a été mis par écrit. Et Michael Lonsdale va nous le lire. À Tibérine, nous sommes dans la mêlée. Nous ne sommes pas seuls dans notre montagne. Ashab el-Jbel signifie « ceux qui ont choisi la violence armée ». Notre grâce de communauté a été d'être confrontée avec ce grand malheur qui frappe le pays dans le contexte liturgique de l'Avent et de Noël. Cela a commencé le 14 décembre 1993 par l'assassinat à 4 km de chez nous, sous nos fenêtres, de 12 Croates, à Tamesgida, et par la visite au monastère de ceux qui ont fait cet assassinat dans la nuit de Noël 1993. Nous avons été à ce moment-là obligés de faire ce raccourci, de rester dans la grâce de Noël en acceptant que cette grâce pourrait être de nous inviter à vivre le mystère pascal. Ils sont partis. Mais après leur départ, ce qu'il nous restait à faire, c'était à vivre. Et la première chose à vivre, c'était 2 heures après de célébrer la vigile et la messe de minuit. C'était ce que nous avions à faire, et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes laissés attirer par cette prière d'église, par cette réalité. Nous avons chanté Noël et nous avons accueilli ces enfants. Cet enfant qui se présentait à nous absolument sans défense et déjà menacé. En fait, le massacre des innocents, le massacre des Croates avait précédé Noël.
Et puis après, notre salut, ça a été d'avoir toutes ces réalités quotidiennes à continuer à assumer. La cuisine, le jardin, l'office, la cloche, jour après jour. Nous avons continué en nous disant, on tient encore aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain. Notre évêque nous y a aidés. Il a fallu nous laisser désarmer et renoncer à cette attitude de violence qui aurait été de réagir à une provocation par un durcissement. En fait, si nous nous situons dans cette perspective, nous découvrons que ce à quoi Jésus nous invite, c'est à naître. Notre identité d'homme va de naissance en naissance, de commencement en commencement. L'évangéliste de l'incarnation, c'est Saint Jean, dont le message est réellement la mise en valeur de cette réalité fondamentale. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Eh bien, il se trouve que cet évangéliste était le seul au pied de la croix et toute sa vie a consisté à développer ce mystère de l'incarnation. Il l'a développé comme le mystère d'une naissance, Nicodème, naître d'en haut, renaître, comme celui de cette femme qui est sur le point d'accoucher. Elle est dans la souffrance, mais ça va venir, la joie est là, un enfant va naître au monde. Et de naissance en naissance, nous arriverons bien nous-mêmes à mettre au monde l'enfant de Dieu que nous sommes. Car l'incarnation pour nous, c'est de laisser la réalité filiale de Jésus s'incarner dans notre humanité, dans mon humanité à moi. Et cette naissance qui s'accomplit nous est proposée à nous dans l'Église, dans le temps de l'Église. L'Église, c'est l'incarnation continuée. Elle a été choisie pour continuer l'incarnation et elle n'a que nous pour la continuer. Au jour le jour, elle ne peut compter que sur nous, comme le disait le légat du pape, pour le meilleur et au-delà du pire. Extrait de l'invincible espérance, écrit par Christian de Chergé, prieur de Tibérine. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. C'est ce verset du psaume 81 qui a donné le titre « Des hommes et des dieux » à un film que je pense la plupart d'entre vous ont vu. Alors peut-être on peut se manifester ceux qui l'ont vu. Voilà. J'ose pas demander à ceux qui ne l'ont pas vu de lever la main. Bon, il est encore temps, il y a encore des projections. Il y a encore des projections. Oui. Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, un film sorti sur les écrans le 8 septembre dernier. Est-ce une coïncidence que ce soit le jour de la nativité de la Vierge Marie? Peut-être. Grand prix du jury de Cannes, prix du jury œcuménique, prix de l'éducation nationale, vu par plus de 3 millions de spectateurs. Pourquoi ce film n'a pas eu la Palme d'Or? Parce que Cannes est un endroit de combat, d'arrivisme et d'un jury qui est composé d'êtres très variés. Et nous avions cette année un cinéaste américain qui, vous voyez, a fait des films dans le genre de Batman, enfin des super productions comme ça. Alors je ne sais pas s'il était tellement concerné. Puis ça devait être un protestant assez loin d'Amérique. Tous ces moines, je pense que ça n'a pas dû le séduire énormément. Il a préféré voter pour ce film étrange que personne n'a vu, qui est sorti dans les salles et qui a été enlevé de l'affiche très rapidement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans le jury? On ne saura pas. Ils se sont un peu exprimés en disant que c'était bien quand même, que notre film avait reçu plusieurs prix, que c'était bien qu'on n'accumule pas trop les choses. Voilà.
Et donc, Xavier Beauvois, quand il a pensé à ce film, il s'est d'abord ému du destin de ces sept moines, par la force humaine de cette histoire. Le tout premier, c'est Étienne Comard, qui un jour à la télévision voit une émission sur les moines et leur drame, et dit « Oh là là, c'est important, ça c'est intense, je vais écrire quelque chose là-dessus. » Alors il fait une première adaptation, et après il l'emmène à Xavier Beauvois, qui saute sur la chose en disant « Mais c'est exactement le genre de choses que j'avais envie de faire. Je trouve la vie de ces moines exemplaire, et là il y a une force, il y a quelque chose qu'il faut faire connaître. » Et alors ils ont fait un deuxième scénario, et puis ils ont fait appel à Henri Quinson, qui est un cistercien sans en être un. Il a fait ses études pour le devenir, et puis au dernier moment, il a préféré garder un travail en dehors de la prêtrise. Et il est parti à Marseille aider les gens dans les quartiers difficiles. Et heureusement qu'il était là, parce qu'on avait besoin d'un conseiller spirituel et puis qu'il puisse nous donner des indications sur comment se déroule la messe, etc., chez les cisterciens. Donc c'est une collaboration à trois. Et voilà. Alors le producteur, qui venait d'avoir un très grand succès avec un film qui s'appelle Le Prophète, a aussi accepté de faire ce film à des conditions modestes. Hein, c'est pas une super production. Et nous voilà tous embarqués. Et justement, comment vous avez reçu le fait qu'on vous demande d'interpréter, d'incarner Frère Luc ? Ah ben, j'étais très ému et honoré. Je me suis dit, mon Dieu, mais quel merveilleux personnage, enfin, cet homme qui est un modèle d'existence chrétienne. C'est vraiment le don total de sa vie, de son amour pour le prochain. Alors ça, j'étais tout à fait d'accord, j'ai tout de suite accepté. Et puis il y avait Lambert Wilson qui faisait le prieur, et puis tous les autres comédiens, Philippe Lodenbach que je connaissais bien, qui est un ami. Et voilà, et on s'est retrouvés, eux, on passait une semaine dans un monastère, comment ça s'appelle ? Tamier. Et ils sont allés un petit peu en se disant, oh là là, on va peut-être tomber sur des vieux bonshommes qui vont nous assommer avec des... je sais pas quoi. Et pas du tout, ils sont tombés sur des jeunes de leur âge, qui les ont accueillis et qui ont accepté de dialoguer avec eux, de parler beaucoup. Alors ils étaient pris, ils sont allés même à l'office de nuit, à 3h du matin. C'est dire que ça, ils avaient envie d'apprendre, quoi. Et alors ils sont restés en contact, ils s'envoient des emails, comme on dit maintenant. Moi je dis ça parce que j'ai ni email, ni portable, ni rien. Et voilà, ça fonctionne, vous voyez. Et ils sont arrivés une fois habillés en moine. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je crois que là, l'habit l'a fait quand même pas. Ils étaient imprégnés de quelque chose de sérieux, de grave et de beau. Et ils étaient, comment dire, je sais pas, imbibés de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais qu'ils sentaient être juste, vrai. Et c'est toujours impressionnant de jouer un personnage qui a été tué. Et vous-même, vous connaissiez Frère Luc ? Non, enfin j'avais fait à Saint-Sulpice à Paris, il y avait eu un grand hommage à Christian de Chergé, avec toute sa famille, sa maman qui était là, l'église était pleine, et j'ai lu ce fameux testament que je vous dirai tout à l'heure. Oui, je connaissais un peu, mais je ne voulais pas faire une reconstitution, je ne me suis pas informé sur comment Luc parlait, comment il était, si j'ai vu des photos. Et puis les photos m'ont suffi. Alors plusieurs personnes m'ont dit, mais une petite ressemblance, oui, c'est crédible, bon d'accord. Puis son neveu est venu et m'a dit, oui, ça va bien, merci beaucoup, tu n'as pas trahi Luc. Bon, voilà. Et vous attendiez à un tel succès de ce film ? Non, on pensait que ça allait intéresser évidemment les croyants d'abord. Et puis il avait fait quand même quelques films qui avaient intéressé le public, Beauvois. Et non, je ne me doutais pas, personne ne s'est douté que ça allait être, mais je sais pas, quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est le film qui a dépassé toutes les entrées du cinéma de l'année dernière. C'est une avalanche extraordinaire. Enfin, et quand, on était très émus quand on a reçu le prix à Cannes. Les gens ont applaudi debout pendant 10 minutes, ils n'arrêtaient pas de crier bravo, bravo, et nous on ne savait plus comment saluer, on disait merci, 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 et puis pourvu que ça s'arrête, pourvu que ça s'arrête.
Et puis ça continuait. Moi qui assistais souvent à des séances à Cannes, j'avais vu ça une fois ou deux en 20 ans. Alors voilà, grande émotion. Et puis les journalistes avec qui on a parlé, il y en avait qui pleuraient en parlant du film. Oh non, c'était surprenant. Oh, quelle surprise. Merci Seigneur, merci. Beaucoup de scènes nous ont marqué, nous les spectateurs. Il y a une scène qui est très belle et qui nous rappelle justement quelque chose de très important, c'est la scène avec Sabrina, l'actrice. L'importance pour vous de quelque chose que vous avez partagé. Ça s'est un peu passé de façon un peu curieuse, je crois. Ça s'est passé de manière très curieuse. C'est-à-dire, au moment de tourner ça, je n'avais pas encore le texte parce que c'était pas très long à apprendre. Et puis, en arrivant sur le plateau, Xavier me dit, tu sais, j'ai écrit quelque chose, mais ça ne me plaît pas trop. Tu ne veux pas improviser? Non, ce sera sûrement mieux. Bon, je dis, écoute, moi je veux bien, c'est risqué, mais enfin, je veux bien. Et alors, comme ça, moteur, et puis, je ne sais pas, j'ai laissé parler mon cœur, je n'ai pas pensé à ce que Luc aurait dit ça ou pas ça. Je pense qu'il aurait peut-être dit quelque chose dans ce sens. Et puis, elle lui posait la question, oui, et toi tu as aimé? Oui, il a dit oui plusieurs fois, mais j'ai préféré cet autre amour que j'ai rencontré et qui a tout balayé, et voilà, je suis devenu prêtre. Ça s'est fait comme ça. Vous voyez, il y avait une espèce d'inspiration. Beauvois est quelqu'un qui devine, qui pressent les choses. Il nous a demandé plusieurs fois d'improviser dans le film. Et chaque fois, c'était juste. Oui, c'est un grand artiste, je crois. Un voyant, c'est quelqu'un qui ressent profondément. Il ne se déclare pas croyant, mais il est quand même très intéressé par tout ce qui est spirituel. Oui, on a pu lire, par exemple, que Xavier Beauvois, il filmait ses moines en justement regardant l'humanité dans laquelle ils étaient et la fidélité à leurs vœux. C'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué et qui voulait partager. Oui, c'est ça. Alors la grande scène de la fin vers la fin, où tout d'un coup on va faire une espèce de messe bizarre, à la fois dîner, scène. Alors là, c'est les bouteilles de vin. Oui, les deux bouteilles de vin. Et il a eu une espèce d'inspiration bizarre, émouvante. Il m'a dit comme ça, tu sais, je vais faire quelque chose de tout à fait exceptionnel, qu'on ne fait rarement au cinéma. Je vais vous filmer pendant un quart d'heure chacun, la caméra va se promener devant vos visages et vous allez essayer de montrer qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir accepté de rester sous menace d'être exécuté un jour. Et alors donc la caméra, avec cette extraordinaire femme qui tenait la caméra et qui était l'éclairagiste, qui faisait des lumières comme vous avez vu, magnifiques, s'est promenée sur un travelling comme ça, du bout de table jusqu'à l'autre bout, et puis elle revenait, puis elle repartait. Et chacun vivait intérieurement ce qu'il a, à la fois le sourire chez certains, les pleurs chez le petit Jacques Herlin qui joue le petit vieux, le frère Amédée, et qui lui a été pris d'une émotion tout d'un coup qui l'a envahi, incontrôlable. Il essaie de s'essuyer les yeux pour pas que ça se voie. Mais et voilà, c'est un espèce de coup de génie, je dirais. Et ça a touché les gens, mais à un point incroyable. C'est la dernière scène. C'est la dernière scène, oui. Donc il y a la dernière scène de Léonard de Vinci, et on peut dire qu'il y a aussi cette dernière scène traduite en images par Xavier Beauvois. Mmh. Vous tenez un rôle clé, la musique. Ah oui, bien sûr. Alors j'étais un peu contrarié quand j'ai entendu la musique, parce que c'est La mort du cygne de Tchaïkovski. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça vient faire dans un monastère? Mais ça a quand même un travail de faire pleurer les gens. Chaque fois qu'on fait ce ballet à l'opéra, les gens pleurent parce que c'est très très beau. C'est une beauté comme ça qui ne se dit pas religieuse, mais vous savez, l'artiste est toujours quelqu'un en recherche de Dieu. Il essaie d'exprimer le plus beau de lui-même et le plus grand, et d'arriver à quelque chose qui soit une invention, qui est l'émotion, tout ça. C'est un très bon choix, oui. Moi, j'avais pensé qu'il valait mieux mettre un morceau du Requiem de Mozart, que c'était aussi très beau. Mais ça, c'est un espèce d'impact sur le rapide, ça va vite, très vite. Et voilà, on a entendu ce morceau pendant 2-3 heures, pendant toute une soirée. C'est un morceau universel, donc, oui. Qui appelait justement à communier aussi
à l'ensemble de l'humanité, oui, voilà. Quelque part. Il y a une autre scène, alors est-ce qu'elle est de votre cru ? Vous savez, la scène avec le Christ du Caravage, où vous passez la main. Oui, 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 ça, c'est... Je lis donc, j'écris une lettre qui vraiment existait de Luc. Et à la fin, comme il y a les hélicoptères qui sont là, l'armée qui essaie de protéger cet endroit, mais ça devient terrifiant. C'est comme s'il y avait la guerre. Et il est pris d'une espèce d'émotion et il m'a dit, je voudrais que tu t'approches du tableau. Alors je me lève et puis c'est donc un Christ, oui, crucifié. Et puis je ne sais pas, en approchant, j'étais tellement remué que je me suis dit, je vais mettre ma main sur le corps du Christ. Voilà, j'ai posé ma main sur l'image et je suis resté un petit moment comme ça pour participer, comment dire, être avec lui dans ce qu'il a fait de plus important pour sauver l'humanité, c'est-à-dire donner sa vie. Et voilà, puis après je vais vers la fenêtre et tout ça. Oh, j'étais pris d'une espèce de paix, de joie incroyable et d'émotion. Oui. Partir ou rester, c'était la grande question, le grand drame de ce film. Et pour vous qui avait interprété donc frère Luc, vous avez senti aussi ce jeu des acteurs. Il y a une scène avec frère Christophe où ça se passe un peu mal quand même. Oh ben, Christophe était un grand angoissé, c'était un homme qui n'arrivait pas à accepter, comme il l'a dit, quand il y a eu des réunions pour décider, ça s'appelle des chapitres, alors il y a eu un premier chapitre, et lui a dit, mais moi je ne suis pas devenu moine pour être martyr, il faut s'en aller, il faut partir. Bon. Puis après, ça l'a tourmenté. Il y a une très belle scène où Christian lui parle dans la campagne et lui explique, mais tu es déjà en Dieu, tu es déjà avec Dieu, tu es déjà avec le Christ. Et ça a beaucoup remué Christophe, mais qui se mettait à hurler la nuit en disant, je sais pas, Seigneur, appelle-moi. On a fait une scène où il se met à hurler, mais c'était vraiment trop fort pour le cinéma. Il faut pas faire de choses trop exagérées au cinéma. Mais on l'entend. On l'entend dans les corridors crier « Seigneur, Seigneur, sauve-moi, aide-moi ». Et puis voilà, la réponse est venue. Il a tout à fait accepté au deuxième chapitre de dire « Je reste ». Voilà. Et alors cette scène où finalement vous vous êtes retrouvé avec lui, où il est parti un peu fâché quand même. Oui, ça c'était une scène un peu comique parce que Christian était un intellectuel qui de temps en temps faisait... Un sermon un peu calé, quoi, un peu difficile à comprendre. Et puis là, ils font la vaisselle et Christophe dit à Luc, oui, c'était bien le sermon du Père Abbé. Et Luc dit, bah oui, pourquoi t'as compris quelque chose, toi? Et l'autre le traite de je sais plus quoi, j'ai oublié. Enfin, il l'envoie balader. Alors, on avait tourné une scène, mais qu'on n'a pas gardée parce qu'il ne fallait pas que le film dépasse une heure et demie. Mais c'était une scène où Christophe venait voir Luc pour lui dire « Écoute, je te demande pardon pour l'autre jour, j'ai très mal répondu, etc. » Mais ce n'était pas indispensable pour l'histoire. Vous avez tourné dans les ruines d'un monastère au Maroc, et vous étiez avec des habitants de ce village qui étaient autour? Oui, qui faisaient par exemple la maman qui amène le petit bébé et la petite fille se faire soigner au début. Tout ça, c'était des gens qui squattaient les ruines parce qu'il n'y avait plus rien. C'est un endroit où il y avait des bénédictins dans les années 50, où il y avait des grandes rencontres, islam, catholicité, et qui a duré pendant des années. Et ensuite, ça a été arrêté parce qu'il y avait des musulmans qui s'étaient convertis, et que c'est arrivé aux oreilles du roi Hassan qui a dit « il faut arrêter tout ça ». Et il a expulsé les moines. Et le monastère est resté comme ça, inhabité, il est tombé en ruine. Mais on a tout reconstruit, les murs, les plafonds, ça ressemble assez au monastère de Tibérine, oui. C'est la même ambiance, avec des collines à perte de vue. Et voilà. Alors, on a eu affaire, oui, à la population locale, bien sûr. Et puis, l'équipe était moitié marocaine, hein. C'est une coproduction. Et la maquilleuse, l'habilleuse, c'était des femmes marocaines absolument délicieuses, gentilles, mais vraiment gentilles. Hein. Ce n'était pas des gens qui nous faisaient la cour ou rien. Il y avait un partage. Les Marocains sont très chaleureux, très très chaleureux. Et puis il y avait donc les acteurs, mais beaucoup des acteurs qui jouent sont des Arabes qui vivent en France. Et voilà, donc ça s'est fait dans une atmosphère de paix, de joie.
bercé tout le temps par les acteurs qui répétaient les chants des psaumes, là. Et donc, dès qu'il y avait un moment, des fois on attendait près du feu d'aller tourner, parce qu'il faisait froid, des fois, certains jours. Et puis, ils se mettaient à chanter. On sentait qu'ils aimaient ça, ils avaient à cœur. Ce n'était pas du tout des chanteurs. Hein. C'est pour ça qu'ils ont un peu ces voix de gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui doivent chanter. Et ils le faisaient avec un plaisir merveilleux. Ils étaient contents, ils souriaient. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, quand on tourne dans cette ambiance, alors tout se fait dans la joie. Et justement, cette joie, on a aussi parlé de grâce, de grâce du tournage, des choses qui se sont passées, qui n'étaient pas prévues. La neige, par exemple, elle était, était souhaitée, on l'attendait avec impatience. Tout le mois de décembre, il a fait soleil, on mangeait dehors tous les jours. C'est haut, c'est dans la montagne. Et puis, la neige ne venait pas. Ifrane est une ville de sport. On attend les skieurs qui doivent venir et il ne tombait pas de neige. Moi, je voyais les cigognes qui étaient sur les cheminées au-dessus de l'hôtel. Elles étaient là, stoïques, elles ne bougeaient pas. Je dis, c'est curieux, quand il va faire froid, les cigognes, elles se tirent, elles descendent vers le sud. Non, non. Non, elles descendent vers le sud, vers Marrakech. Et puis, tout d'un coup, là, ça arrive, 3 jours de pluie, une inondation effroyable, les routes coupées, 3 noyés dans leur voiture, enfin, cataclysme, on ne pouvait plus bouger. On ne pouvait même pas accéder au tournage, tout était bouché, les routes étaient glissantes, les voitures renversées, enfin, et puis après, la neige arrive, enfin. Oh, et alors, Xavier a dit, ben vite, 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 on tourne la fin. Et puis les plans de tout ce qu'on voit dans le film, qui est magnifique. Hein. Mais elle est arrivée comme ça, et au moment où il fallait. Inch'Allah. Mais ce n'était pas prévu comme ça, la fin. Non, ce n'était pas prévu. Non, dans le premier script, on voyait la tête découpée des moines. On avait posé pendant près d'une demi-heure chez un homme qui fait des masques comme ça, qui reconstitue votre visage, sur lequel on aurait ensuite balafré, marqué des coups, enfin comme les gens qu'on a exécutés. Et Xavier Beauvois a dit, oh non, ça va être terrible, il ne faut pas finir sur une image négative, enfin, de tristesse. Et donc on a filmé alors leur départ avec les terroristes, et puis on a failli tomber, moi j'ai failli m'évanouir de froid et de peur. Et... Lambert Wilson m'a soutenu en me disant « Mais c'est vrai, ça va, ça va. » J'ai dit « Mais oui, ça va très bien, oui, ça va bien. » Donc beaucoup de fraternité, de complicité entre vous aussi, hein, les acteurs. Oh là là. On ne sort pas indemne d'un film comme ça. Non, on sort, on se dit vraiment « Ça valait la peine d'être comédien. » Et les autres aussi, ils ont été très heureux. Ils ont été touchés aussi. Ah oui. Ils en parlent très souvent, vous savez, on n'a pas arrêté. Xavier m'a appelé il y a 2 jours de là-bas, il est retourné au Maroc dans un autre monastère cistercien qui est dans l'Atlas, en me disant, tu sais, on est retourné là voir les ruines, enfin, on a laissé le gouvernement, l'a pris tout de suite en disant, c'est très bien, on va faire une colonie de vacances pour les étudiants. Bon, eh bien, très bien. Voilà. Que des moines catholiques vivent cette harmonie avec des musulmans en Algérie, c'est déjà beaucoup, disait le président du Conseil français du culte musulman. Oui. Mais qu'ils choisissent de rester malgré le danger, par fidélité envers une population amie, c'est admirable. Parce que c'était devenu vraiment de l'amitié profonde, qui s'était nouée à partir du travail, parce qu'il y avait pas mal d'arbres fruitiers, de légumes, tout ça, qu'il fallait s'occuper du jardin. Et il y avait des Arabes qui étaient là, qui travaillaient, dont la petite Sabrina est la fille d'un jardinier. Et puis, vous savez, quand on travaille ensemble comme ça, ça crée des liens. Et puis après, ils sont devenus tellement aimés qu'on les invitait à toutes les fêtes dans le village. Et alors, Luc ne pouvait pas aller à partout parce qu'il était dans son dispensaire toute la journée. Vous savez, ce n'était pas un prêtre, Luc, c'était un frère convert. Les frères converts sont des gens dans les monastères qui font le ménage, la cuisine, qui s'occupent de balayer. Et on lui a dit un jour, tu peux être prêtre si tu veux maintenant, après tout ce que tu as fait. Il a dit, non, je ne peux pas. Les cisterciens, ils ont 5 heures de prière par jour, d'office, comme ça. Il a dit, il faut que je sois là-bas toute la journée, de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir, et des fois minuit, et des fois
150 personnes par jour, comme il le dit à la fin, j'en peux plus, j'arrive pas, quoi, il faudrait... Et donc il a tenu, et ça l'a complètement transfiguré, Luc. C'était une forme de sainteté, ce qu'il a vécu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et il aimait cette population, et cette population aimait les moines profondément. C'était pas de la blague, c'était pas du... Donc c'était très beau de montrer un endroit où musulmans, enfin arabes et nous pouvons vivre ensemble. C'est un exemple magnifique, ça. Vivre ensemble. Oui. Ouais. Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, disait en 2005 qu'il fallait qu'au niveau de l'Église, justement, qu'elle se sente dans un peuple musulman et pour un peuple musulman en Algérie, une Église de la rencontre, du partage, de la communication. Un témoignage qui justement permette de vivre, de retrouver la communion. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une façon, oui, je travaille en ce moment sur Sœur Emmanuelle, il y a un spectacle que j'ai fait avec une comédienne qui joue Sœur Emmanuelle. Et les phrases de Sœur Emmanuelle sont magnifiques, justement, son rapport avec le monde arabe. Et elle dit qu'une des plus belles choses qu'elle ait entendues, c'est un musulman qui aimait beaucoup un archevêque là-bas. Et ce musulman lui a dit, « Oh, tu sais, ton archevêque, il m'a fait connaître Dieu à travers ma religion. » Ça, c'est des beaux rapports, vous voyez. Et donc, Sœur Emmanuelle est l'exemple même de cette cohabitation et de cette fraternité et de ce don de soi aux pauvres et aux... Et comment pour réagir aujourd'hui pour mieux vivre ensemble, plus se tolérer dans notre société où on a peur de l'autre? C'est tellement compliqué le monde musulman avec ce fanatisme religieux que les vrais croyants musulmans sont catastrophés. J'en connais plusieurs qui pleurent en disant « Mais qu'est-ce que c'est devenu ? C'est pas ça le Coran, c'est pas ça, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes. » Donc voilà, les fanatiques ont, au nom, soi-disant, au nom de Dieu, ce qui est un scandale, c'est une honte, au nom d'Allah. Voilà, alors c'est à nous, je crois, si on peut, et je crois que vous le faites pas mal déjà ici, avoir un vrai partage avec les Arabes, et les aimer en tant qu'Arabes et comme êtres humains, enfants de Dieu, hein, eux aussi, je veux dire, c'est pas des zombies qui sortent d'une autre planète, ils sont de notre espèce, le même sang, la même vie, voilà. Fils et fille d'Abraham. Oui, voilà. Est-ce que... On va s'arrêter, peut-être une dernière question. On parlait du martyr de la charité en parlant des moines de Tibérine. Qui n'étaient pas d'abord des martyrs de la foi, mais avant tout parce qu'ils voulaient rester fidèles à l'amitié qu'ils avaient nouée. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner ce peuple, parce que c'était les lâcher, presque les trahir, dire « Allez, maintenant, débrouillez-vous, nous, on s'en va, se réfugier ». Non, ils ne pouvaient pas. Ils étaient solidaires. Ils étaient solidaires et voilà, et prêts à donner leur vie, parce qu'ils savaient très bien que ça finirait mal un jour. Ils le pressentaient tous, ils n'étaient pas dupes. Hein. À présent le testament de frère Christian. S'il m'arrivait un jour, ça pourrait être aujourd'hui,
d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie. J'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi. Comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre, elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, d'avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme, je l'ai assez proclamé. Je crois, au vu et au su de ce que j'ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère. Ma toute première église, précisément, en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Mais ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que ce sera enfin libérer ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères, et de leurs centuples accordés, comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu notre Père, à toutes deux. Amen. Inch'Allah. Alger, 1er décembre 1993, Tibérine, 1er janvier 1994. Pour certains, ce testament est un texte majeur de spiritualité, une expression d'un engagement vécu jusqu'au bout. Quelque chose qui, justement, respire aussi l'esprit de Vatican II qui a voulu ce dialogue
interreligieux notamment, en reconnaissant chez les autres des semences du Verbe, des rayons de la vraie lumière. Par exemple, pour Christian de Chergé, il disait que pour lui, il y a 5 piliers pour la paix. La patience, la pauvreté, la présence, la prière, le pardon. Vous avez envie de dire quelque chose ? Oui. En effet, ce passage sur le pardon, je trouve exemplaire. C'est la somme, ça, d'une vraie vie religieuse en Christ, où on a lentement assimilé tout ce qu'il nous demande de façon pressante et avec obstination. Et ce pardon aux ennemis, aux gens qui vous ont fait du mal, est une des grandes phrases du Notre Père. C'est la phrase la plus longue, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et Christian a vécu ça complètement. Et le pardon, j'en ai vécu plusieurs fois l'expérience, c'est salutaire pour l'âme et pour le corps. Que de malheurs physiques à cause de gens qui sont sans pardon pour les gens qui leur ont fait du mal, leurs parents ou leurs enfants, ou réciproquement, enfin. Et que de fois, il y a une haine comme ça pour les autres, pour le prochain, qui est mortelle pour l'âme et pour le cœur. Et alors donc, de tout notre cœur d'enfant, qui aime, qui écoute ce que Jésus dit, qui pratique ce qu'il demande, eh bien ce pardon, il faut vraiment y réfléchir, parce que nous avons tous à pardonner. Nous savons être pardonnés, nous avons la possibilité d'être pardonnés, nous, quand on veut. Mais donner le pardon, c'est souvent une résistance. J'en ai parlé souvent à des gens qui m'ont dit « je préfère crever que de pardonner. Je préfère mourir, jamais je ne pardonnerai à mes parents, à mon père, à mes frères, je ne sais pas quoi, enfin toutes sortes de personnes. » Eh bien voilà, ça c'est un grand, grand malheur. Il y a moyen de pardonner, on n'y arrivera pas tout seul, il faut demander impérativement au Seigneur, à l'Esprit Saint, « Viens, aide-moi, donne-moi la force de pardonner. » Et on y arrive, et quand on y arrive, c'est la délivrance. Je cite très rapidement, dans ma propre vie, quelque chose, rapidement, parce que, pas que ça dure trop longtemps, mais en effet, j'ai commencé à une époque à prier pour mes parents, pour toute la famille, des gens, les grands-pères que j'ai peu connus, les grands-parents que j'ai très peu connus. Puis un jour, je me dis, mais tiens, ton père, tu as complètement oublié. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pries pour ta mère, pour tes tantes, tes oncles, et puis ton père, allez, inconnu, pas là, rayé de la liste. Oh, ça m'a donné un choc. Je me dis, mais comment ça se fait? Tu lui en veux à ce point? Puis alors je me suis dit, bon, allez, il faut commencer à réfléchir, à se ressouvenir de ce qui aurait pu motiver ce besoin de l'évacuer, de ne plus en parler. Eh bien, j'ai eu peur de mon père, j'ai eu honte de mon père et je l'ai méprisé. Oui, enfin, je ne peux pas vous raconter pourquoi, c'est trop long, mais bref, j'avais une très vilaine image de lui. Eh bien, je me suis dit, ça, c'est pas possible, il faut lui demander pardon, parce que j'ai compris pourquoi mon père avait agi de façon... je dirais distante, c'était un père absent avec moi, c'était pas le papa qu'on aimerait avoir, qui raconte des histoires. Il me faisait jouer aux cartes et puis aux échecs, bon. Mais l'enfant a besoin qu'on lui raconte des choses, qu'on lui dise des choses tous les soirs avant de dormir. C'est important de donner à un enfant une petite histoire pour qu'il s'endorme. Et alors, donc voilà, alors je lui ai demandé pardon. Seigneur, je te prie de m'aider à pardonner entièrement à mon père, profondément, complètement, et à le remercier de m'avoir donné la vie. C'est mon papa quand même, et ça, on ne peut pas changer. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, j'ai rêvé de lui. Je n'avais jamais rêvé de mon père depuis qu'il était mort, à l'âge de 54 ans, et il avait disparu de ma vie totalement. Il venait vers moi en me tendant la main comme ça, d'une façon avec un beau sourire, habillé dans un vieil imperméable anglais, un peu fatigué. J'oublierai jamais ça. Eh bien, même ça, je l'ai oublié, je m'en suis souvenu que 3 jours après. Ah,
mais l'autre soir, tu as rêvé de ton père, mais c'est pas vrai. Oh là là. Et alors, j'ai senti une paix me gagner. Oui, et alors, je raconte rapidement pourquoi j'ai pu lui pardonner. Parce que mon père n'a pas eu la vie qui aurait été bonne pour lui. Il a été mis dans une école militaire à 14 ans, un âge où un enfant sait souvent pas ce qu'il veut faire dans la vie. Il en sort jeune lieutenant, à 18 ans, on l'envoie en Afrique coloniale, Sierra Leone, qui était une colonie anglaise à l'époque, où en arrivant, on lui dit, tu sais, ici, il faudra beaucoup boire ou pas boire du tout. Il avait horreur de cette colonie, de l'esprit colonialiste, tout ça, c'était pas son affaire. Alors, il a commencé à boire doucement. Bon, puis ça, après, il est passé capitaine, on l'a envoyé en Inde, et là, il a bu, je pense, raisonnablement, mais de plus en plus, quand même. Il a quitté l'armée à l'âge de 30 ans, j'ai jamais su pourquoi. En tout cas, je sais qu'il n'était pas fait pour être militaire, c'était pas la chose de sa vie du tout. Il faisait des croquis, il jouait du banjo, c'était plutôt un artiste, je crois. Et voilà cet homme qui, ensuite, a rencontré ma mère, qui était déjà une femme mariée, enfin bon, j'étais un enfant naturel, toutes sortes de choses. Et cet homme n'a pas eu la vie qu'il aurait pu avoir. J'en suis sûr que sa vie a été tronquée comme ça, comme est-ce qu'on dit, déformée dès la jeunesse. Et c'est pour, une des raisons pour lesquelles il a bu, et la boisson l'a amené à être indifférent. Il n'avait pas de boisson violente, jamais eu de dispute, jamais de coups. Plutôt, il n'était pas là. Je lui posais des questions, il ne répondait pas. Et plus il buvait, plus il était absolument impénétrable. Alors voilà, tout ça m'est remonté violemment, comme ça, c'est dur de faire le... de se dire pourquoi c'est arrivé à être comme ça, de l'oublier. Eh bien, je vous assure, ce pardon, à partir du jour où je l'ai fait, oh, j'ai senti une respiration dans mon cœur, comme une délivrance. C'est capital, cette histoire. Alors, je vous demande, tous ici présents, de penser bien, parce que tout le monde parmi vous a sûrement des choses très difficiles qui ont été blessantes, mais, des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, pour toutes sortes de raisons. Si vous arrivez à leur pardonner, vous savez, c'est écrit en toutes lettres, dans les textes, tu vas prier pour ton ennemi, tu vas prier pour ceux qui t'ont fait du mal. C'est parole de Dieu, ça. Donc c'est profondément sérieux et vrai. Voilà, pardon de ce petit témoignage, mais j'ai plaisir à le dire, parce que souvent les gens viennent après me dire, j'ai beaucoup de problèmes avec mon père, j'arrive pas à lui pardonner. Eh bien, si, il y a moyen, on n'y arrive pas tout seul. Seigneur, aide-nous, délivre-nous. Merci pour ce beau témoignage. Comment faut-il dire, Michel ? Michael. Alors, hier Michael. Oui, c'est très amusant parce qu'hier soir, l'archevêque de Strasbourg m'a présenté, puis il a fait un très beau lapsus. Il a dit merci à Michael Jackson d'être là. Ça m'a enchanté. Ah, oh, c'est merveilleux, ça, j'ai trouvé ça, parce que souvent, les gens ne savent pas comment dire Michael, ils disent Macqual, Maquil, Miguel, ils ne savent pas le prononcer. Alors je leur dis toujours, ben, Michael Jackson, vous connaissez? Ah, ben oui, Michael Jackson, c'est très bien. Ben, je dis, c'est le même prénom. Oh, j'ai trouvé ça délicieux, vous voyez. Alors justement, on va s'intéresser à Michael. Oui. Lonsdale, oui. Lonsdale. En Angleterre, Lonsdale, en français, Lonsdale. Voilà. Qu'on ne connaît pas beaucoup, qui a joué dans plus de 120 films, qui a fait des débuts remarqués à la radio. Oui, Radio Maroc, quand j'étais gosse, j'allais tous les jeudis, tous les dimanches faire de l'émission enfantine. Et mon premier rôle à la radio, c'était Hatchoum dans Alice, dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc 120 films, oui. Beaucoup de courts-métrages aussi, un clip par exemple pour les vocations. Oui, entre autres, enfin, on ne va pas énumérer tout ça. Voilà, vous avez endossé beaucoup de rôles aussi de clergé. Oui, j'ai fait curé de campagne. Oui, curé de campagne, je suis monté en grade, et cardinal, évêque, pape. Hein? Oui, l'ange Dieu. Non, pas Dieu.
l'ange Gabriel avec Josiane Balasco dans Ma vie est un enfer, et de Dieu la voix, oui. Mais dans le film de Balasco, Ma vie est un enfer, j'avais des conversations téléphoniques avec le Seigneur, j'étais dans un très beau bureau avec un duffelcoat blanc, et je disais, oui Seigneur, oui, oui, je comprends ce que vous voulez, mais bien sûr Seigneur, vous avez raison, mais on va faire ce que vous voulez. Oui Seigneur, mais oui, soyez tranquille. Et c'était très amusant à faire, voilà. Donc incarner des rôles, être comédien, c'est quelque chose, c'est un métier, c'est un art. Mmh. À côté, vous peignez? Ah oui, je fais de la peinture, oui, oui, oui. Mais j'aimerais quand même parler sur l'identité, vous voyez, c'est difficile de savoir qui on est. Parce que, une fois dans un taxi, je roulais à Paris, j'allais assez loin, et puis je voyais le conducteur dans le rétroviseur qui murmurait « Ah bah ça alors, ah bah ça alors, ah bah ça alors. » Quand je vais dire ça à ma femme, « Oh là là, oh là là, oui, ah, puis bon, on continue à rouler. » Puis il me dit « Vous savez qu'on vous aime beaucoup, monsieur, hein, qu'est-ce que vous êtes marrant au cinéma, avec votre casquette. » Ma casquette, je cherchais. Si j'avais fait le rôle d'un officier de marine, quelque chose, rien du tout. Il n'y avait pas de casquette dans ma vie de comédien. Et on arrive à destination, et tout joyeux, il me tend un papier, un crayon, il me dit « Oh, monsieur Galabru, faites-moi une signature. » Et vous avez signé? Eh bien, bien sûr que j'ai signé. Galabru. Oui, oui, ben, je n'allais pas le décevoir, il était tellement content. Je lui ai dit « Pourvu qu'il ne me voit pas le soir à la télévision. » Et puis, alors, le plus beau, le pompon, je dirais, c'est un monsieur qui m'a abordé une fois à la sortie d'une pièce de théâtre dans la rue et qui s'approche de moi d'un air un peu sévère, qui me dit « Vous êtes bien Jean Rochefort ?» J'ai dit « Non, je suis désolé, je ne suis pas Jean Rochefort. » Il me regarde comme ça « Mais vous êtes sûr ?» me dit-il. « Qu'est-ce que vous voulez répondre ?» J'ai dit « Je ne suis pas sûr de grand-chose, mais je suis sûr que je suis... » Oh, il est parti très déçu, hein. Très, très, très inquiet d'ailleurs, il me regardait un peu comme si j'étais malade. Voilà, c'est les petites anecdotes de la vie de comédien. Vous avez tourné au Maroc le film « Des hommes et des dieux », vous êtes retourné du coup au Maroc, où vous avez vécu votre enfance, votre adolescence. Ah là là, j'ai retrouvé toutes les odeurs, j'ai retrouvé les mots, j'avais appris l'arabe sans m'en rendre compte. Je comprenais ce qu'il disait. Et puis c'était vraiment, c'est les enfants de mon, les copains que j'avais dans la ville arabe où j'habitais, je travaillais, j'en jouais dans la rue, c'était tous mes frères, mes sœurs. Et donc voilà, et il y avait des souvenirs inoubliables, la gentillesse, la générosité, le dévouement, ils sont très aimants. Les arabes, quand ils vous aiment, c'est pour la vie, hein. Oui. Et justement, vous n'étiez pas croyant à l'époque? Pas encore, non, non, non. C'est venu après. C'est venu après. Je crois qu'il y a aussi une anecdote que vous avez racontée concernant ce qu'un copain avait comme petite statue. Ah oui, oh là là, mais ça c'est... Oui, alors on m'a dit, mais ça a commencé quand la foi? J'ai dit, mais je sais pas. Ça a commencé, oui, par des petits signes bizarres. On était au Maroc, dans un appartement, on avait, comme on dirait aujourd'hui, chez l'habitant. Et ce monsieur était un monsieur moitessier, c'est un aviateur. Et il était le fils d'une femme que Charles de Foucault avait aimée très profondément. Et puis Charles de Foucault a préféré devenir prêtre. Cette femme s'est mariée, elle a eu plusieurs enfants, dont un qui s'appelait, enfin son nom de famille, Moitessier. Et alors ce Moitessier, dans l'appartement, il y avait plein de statues de Thérèse, de Saint François d'Assise, enfin tous les grands saints. Des petites, vous savez, des choses un peu sulpiciennes, comme on dit, oui, 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 pas très jolies. Et puis alors il me dit un jour devant moi, oh c'est vilain tout ça, je crois que je vais le donner parce que franchement c'est trop laid. Oh, j'étais pris d'une espèce d'émotion, j'ai dit, mais on n'a pas le droit de faire ça. Il me dit, comment on n'a pas le droit? Je dis, mais non, c'est, je ne savais pas quel mot trouver, alors j'ai dit, c'est sacré, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Le mot est venu comme ça. Ah bon? C'est sacré. Alors il dit à ma mère, mais ça a l'air de lui plaire, le gosse lui donne. Ah ben oui, tu les veux? Ah ben merci monsieur, moi je veux bien. Puis je les ai pris, je les ai mis dans ma chambre. Puis j'ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit coin prière. Et je regardais, j'embrassais mes petites statuettes parce que pour moi c'était des saints. Voilà. Alors ça a commencé comme ça, tout doucement. Puis après on m'a emmené à la messe, à l'église.
une amie de ma mère m'emmenait, puis je ne comprenais rien, mais j'aimais l'encens. Puis de temps en temps, j'entendais dire « Alléluia ». Alors je disais « Mais il est où, Louia ? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours « Allez, allez » J'aimerais bien savoir où il est. Oui, vous voyez, c'était innocent, quoi. Puis après, on a rencontré un musulman qui m'a parlé de Dieu, oui, d'une façon très pertinente. Gobessa, mais j'avais 15-16 ans, le premier qui m'a parlé de Dieu. Mes parents, mon père était protestant, mais sans pratique. Maman avait fui tout ce qui était religieux, sauf qu'elle avait toujours gardé de l'amour pour le Christ. C'est elle qui m'en a parlé, la première. Et puis c'est venu tout doucement. Puis je me suis dit, à un moment donné, je vais peut-être devenir musulman, pourquoi pas, puisque personne ne m'a rien dit d'autre. Et puis, ces moments, on est revenu en France. Enfin, je suis venu en France, puisque j'avais été élevé en Angleterre. Mes parents se sont séparés, je suis venu dans la famille française. Et là, j'ai été tout de suite dans un atelier d'art sacré, où il y avait des pères dominicains. Il y a eu un père qui a fait une conférence sur à la fois l'art et la foi, et ça m'a complètement intéressé. J'étais, moi qui étais timide, j'ai osé lui dire, mais monsieur, je ne sais pas comment l'appeler, s'il vous plaît, je peux vous parler. Mais oui, bien sûr, prenons rendez-vous. Et c'est devenu mon père spirituel jusqu'à sa mort. Et il m'a baptisé à l'âge de 22 ans, oui. C'est en 52, voilà. Ça. En 52, oui. Et c'est l'année aussi où vous avez commencé votre carrière ou votre oui, formation. Non, un petit peu, oui, 50, fin, oui, oui, fin 48, 49, oui. Et comment vous avez alors évolué dans cette foi ? Eh bien, j'étais ce que le Seigneur n'aime pas du tout, c'est-à-dire un chrétien tiède. Oui. Je n'aimais pas la prière, je n'aimais pas prier sauf avec les autres. Et puis les années d'épreuve sont arrivées quand j'avais 40 ans, oui. Et puis là, la mort pas de mon père, il était déjà parti, mais ma mère, ma tante, mes oncles, ma marraine, tout le monde est mort la même année. J'étais fou de douleur et de plus envie de vivre. J'ai quand même eu la force de dire « Seigneur, sauve-moi parce que je ne sais pas quoi faire, je ne veux plus vivre, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Eh bien, la réponse a été tout de suite. Le lendemain, mon parrain est arrivé de passage à Paris. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as, toi, tu ne vas pas bien? Je lui dis, ben écoute, je suis dans le chagrin, je suis dans la peine. Oh là là, mais dis donc, je vais t'emmener à côté, là, il y a un groupe de prière, tu devrais venir voir. C'est où? Je lui dis, c'est à côté, à l'église, là, à 100 mètres de chez toi. Ah bon, ben, et puis si tu n'aimes pas, tu resteras pas. Et puis, je suis entré dans cette église, c'était une réunion de charismatique de l'Emmanuel. Et puis tout de suite, quand j'ai entendu les chants, quand j'ai vu les gens avoir des paroles de science, quand j'ai vu tout ce monde prier, on m'a jeté dans un groupe de prière, ils ont prié sur moi, ça m'a tellement impressionné que j'ai eu envie ensuite, moi qui n'aimais pas prier, de faire pareil. Et tout doucement, je suis entré dans cette révélation de ce renouveau qui pour moi est absolument miraculeux. Et voilà, et après, alors je marche avec eux. Je ne suis pas rentré dans la communauté parce qu'ils ont des points de vue artistiques que je n'aime pas trop. Mais j'ai rencontré des tas de gens merveilleux. C'est vraiment des frères, on prie ensemble, on a créé un groupe de prière avec Monseigneur Ray, qui est l'évêque de Toulon. Un groupe qui s'appelait « Le prière pour les artistes », oui. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré, alors ça, vraiment des croyants merveilleux. Merveilleux. Et votre, justement, la place que vous donnez à l'Esprit Saint dans cette prière est importante? Oui, je suis né le jour de la Pentecôte. Quelqu'un m'a dit ça un jour, tu es né quand? J'ai dit le 24 mai 31. Ah, mais c'est un dimanche de Pentecôte. C'est peut-être pour ça que j'aime tellement l'Esprit Saint. Et à quelle occasion, justement, vous priez l'Esprit Saint? À tout moment, n'importe quand, au milieu de la journée. Pour les amis, non, je ne vais pas tellement prier, je n'ai pas besoin d'un lieu pour aller prier, je prie partout, dans le métro, dans l'autobus, dans la rue, en marchant, et ça vient comme ça spontanément, prière pour les autres, prière, j'ai fait des longues énumérations, Saint François, Saint Bernard, Sainte Rita, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, je fais toute une litanie de saints comme ça, priez pour nous, priez pour moi, priez, merci, merci, merci. Voilà, c'est une prière comme ça à n'importe quel moment de la journée, même en dormant des fois. Vous êtes un croyant fervent, vous êtes reconnu comme tel dans le monde des artistes. Oui. Comment ça se passe avec eux? Pas trop mal, parce qu'avant, il y a 20 ans, quand je parlais de Dieu, on me disait « on ne nous casse pas les pieds avec ça, ça ne nous intéresse strictement pas ». Alors je partais un peu triste et déçu, mais je n'osais pas dire, je ne savais pas comment parler.
Puis après, à la tombée du rideau de fer, il y a beaucoup de communistes et de gens à la recherche d'une vérité. Je veux dire, ce n'est pas un défaut d'être communiste au départ, parce que c'était quand même un projet de partage, d'égalité entre les choses. Puis après, c'est devenu ce qu'on sait avec la terreur. Ça a été complètement abîmé. Mais oui, et alors après, j'ai commencé, Dominique Ray, qui est un grand, grand ami, m'a dit, tu sais, la foi, c'est un trésor extraordinaire, il ne faut pas le garder pour soi, il faut en parler autour de toi, chaque fois que tu peux, évangélise, tu verras, le Seigneur nous demande de le faire. Alors voilà, donc ça s'est traduit à évangéliser, à faire ce que comment je fais ce soir avec vous, ben dans la rue, avec une icône, une guitare et puis des gens qui prient. Alors j'ai eu une belle expérience, je mourais de peur la première fois qu'on m'a dit « Tu viens ben, évangéliser avec nous ?» J'ai dit « Moi je ne sais pas évangéliser, qu'est-ce que tu veux que je dise ?»« Ben viens, tu verras. » Bon, alors on se met à une bouche de métro là, à Paris, et puis on chante, puis alors la femme responsable me dit « Vous irez par deux, il y en a un qui prie, l'autre qui parle. » J'ai dit « Moi je suis celui qui prie. Hein. » Et alors, en effet, alors les gens s'arrêtent, demandent, tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est une secte? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une icône. Non, madame, c'est tout à fait avec l'accord de l'évêque, c'est une chose chrétienne, catholique, oui, etc. Puis il y en a une dame un peu bien mise, avec des belles perles, je me rappelle, un beau collier, qui me dit, mais dites donc, vous êtes comédien, non? Et je dis, oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? D'une voix mourante, je dis, ben, j'évangélise. Elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, mais c'est formidable, mais bravo. Ah, oh, mais t'entends, Josette, le monsieur, là, il évangélise. Mais il faudrait que plus de comédiens fassent comme vous. J'ai dit, ben oui, mais ils n'osent pas trop dire qu'ils sont croyants. Mais il y en a plein de comédiens très croyants. Mais ils gardent ça pour eux, ils ont peur d'en parler publiquement. C'est un risque. Eh oui, parce que beaucoup de gens dans ce métier sont plutôt à gauche, il ne faut pas trop parler de ça, ils avaient peur de ne plus trouver de travail. Alors ils laissaient tout ça sous le boisseau, comme on dit. Mais alors je les encourage, je leur dis, mais parle, témoigne, dis quelque chose. Elisabeth Huppert, un jour, elle a, dans une petite revue, elle a dit, je vais chez les sœurs, je fais des retraites, mais je ne parle pas de Dieu, parce que c'est privé, c'est secret, c'est pour moi. Eh ben non. Il faut arriver à sortir de cette appropriation égoïste pour soi. C'est pas que pour soi, Dieu, c'est pour tout le monde. Alors voilà, si je la croise, je lui dirais, allez, viens évangéliser avec moi. Et qu'est-ce que vous aimeriez poser à Dieu comme question, si c'est une question que vous n'auriez peut-être pas encore posée? Oh, je me pose pas ce genre de questions, non. Souvent on m'a dit, mais si tu te trouvais face à bon Dieu, ben, je dirais, Seigneur, écoute, t'es bien gentil, parce que franchement, oui, merci, quoi. Je sais pas ce que je dirais, faut pas rêver là-dessus. En tout cas, je sais que ce serait un bonheur tellement énorme qu'il n'y a pas de mots, quoi. Pas de mots, hein. Et est-ce que Noël vous inspire cette fête, l'arrivée de Noël. Vous imaginez l'histoire de ce Noël, que Dieu, dans ce petit bonhomme, va s'incarner là, et là, et là. Que ça commence, celui qui va sauver le monde, c'est ce petit bébé. J'aime tellement la phrase de l'Évangile, « Si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Il faut méditer cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas rester comme des enfants. Saint Paul dit, « Le jour, il faudra mûrir, vous n'êtes plus des enfants. » Moi, j'aime mieux la parole du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, être comme un enfant? Ah, un enfant, il croit. Il croit dans son père, il croit dans sa mère. Tout ce que les parents disent, c'est la vérité. Et puis il a besoin, il se protège, il va aller voir quand il est malheureux, il pleure. C'est toute une aventure d'élever un enfant. Moi, j'en ai pas eu, mais je vois autour de moi, dans le train, en venant ici, c'était bouleversant. Il y avait une maman qui s'occupait de son bébé, qui la regardait avec des yeux absolument énamourés. Eh bien, voilà. Alors, tout d'un coup, le sauveur, celui qui va nous sauver, arrive là, dans ce petit berceau. Vous vous rendez compte? Même pas un berceau, une mangeoire. C'est-à-dire dans la pauvreté la plus totale. Et il meurt dans la pauvreté la plus totale. Il est avec les pauvres. Il est venu pour les pauvres, les petits, les malheureux, les gens qui souffrent. Et j'entends souvent les gens qui me disent « Mais comment est-ce que Dieu permet ces choses ?» Mais Dieu ne permet pas ces choses. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Il nous a donné une espèce de liberté dont l'humanité se sert mal.
parce que leur préférence va souvent à ce qui n'est pas bon. Mais Jésus, lui, vient pour nous sauver, et surtout ceux qui sont désespérés, ceux qui meurent, les gens torturés, les gens en prison, les prostituées, les voleurs. Il l'a dit, je viens pour les gens que le monde rejette parce qu'ils sont condamnés, mauvais, etc. Alors voilà, c'est extraordinaire, c'est bouleversant. Le petit môme, là, oh, écoutez, c'est un rêve, on croit rêver, mais c'est la vérité. Ouais. Dans le film, vous avez cette réplique, « Laissez passer l'homme libre ». Oui, oh, il le dit en plaisantant, parce que c'est ridicule de dire ça, mais il avait beaucoup d'humour, Luc, il s'amusait, en effet. Oui, moi je suis un homme libre, puis après il se rend compte que c'est près de la vanité de dire ça, puis il se lève en disant « Laissez passer l'homme libre », mais en se moquant de lui, quoi. À presque 80 ans. 82. Vous. Ah, moi. Presque 80 ans. Ah oui, mais ça n'a pas d'importance, non. On parle un peu de vous. Vous sentez un homme libre? Oh oui, mais pas des grands mots. Je me sens, je suis un pauvre malheureux qui essaie de croire et qui est tellement heureux d'être croyant. C'est tout, hein, c'est pas plus que ça. Et comment le mystère de Noël pourrait nous toucher aujourd'hui dans notre société? Ben écoutez, c'est surtout pas en pensant qu'au cadeau, à bien manger. Bon, c'est un beau partage de famille, ça c'est sûr que ça compte. Mais il ne faut pas être là, je vois les gens qui courent dans les magasins, qui achètent des trucs, qui rentrent chez eux avec des paquets. Là. Oh, ce n'est pas un lieu de consommation, c'est un lieu d'adoration, Noël. C'est un petit enfant, vous vous rendez compte, parce que c'est comme un petit bébé. Ouais. Enfin, c'est un lieu de partage, puis surtout de s'occuper plus des autres que de soi-même pendant Noël. Oui, aller avec les pauvres, les malheureux. Et j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a des réunions ici merveilleuses d'accueil, de partage avec les gens qui n'ont rien. C'est ça, la volonté de Dieu. Donc Noël, c'est aussi ce verbe qui se fait chair, mais qui se fait aussi frère, oui, à la manière des moines, à la manière des comédiens. Oui. C'est le contraire du moment terrifiant de la mort, où Jésus va se faire le plus petit des derniers. Hein. Et je crois que s'il n'était pas mort dans la pire souffrance, il n'aurait pas témoigné qu'il était avec nous totalement. Sinon, c'était un Superman. Allez, mes anges, venez avec moi. Moi, je m'en vais, je les laisse crever. Et ben non, pas du tout. Il fallait qu'il soit au plus profond du désespoir, de la peur et de la souffrance humaine. Et là, il est comme nous. C'est enfin Dieu incarné totalement. Oui. Merci, Merci. Merci de votre écoute. Merci. Et bon joyeux Noël. Noël. Bon Noël. Merci Michael Lonsdal pour tout ce que vous nous avez dit ce soir. Non seulement vous nous avez fait revivre quelques aspects du film des hommes et des dieux, mais vous nous avez partagé quelque chose de votre foi et de votre recherche de foi. Vous nous avez dit la beauté de ce Dieu qui vous anime et qui vous invite à garder un cœur d'enfant et qui vous pousse à partager ce trésor et à évangéliser. Merci de nous avoir ainsi préparés à Noël et de nous avoir donné un peu plus et un peu mieux le goût de devenir nous-mêmes disciples de ce Jésus qui nous appelle, qui nous envoie, qui veut naître et grandir chaque jour davantage dans nos vies. Merci à Jean-Claude, l'intervieweur, curé de plusieurs paroisses, une grande communauté de paroisses à Colmar, et qui a donné la réplique à Michael Lonsdal. Et je vous invite à emporter cette conviction avec vous ce soir et à en vivre tout au long des jours et de l'année nouvelle qui s'annonce. Voilà ce qu'il disait. Donner sa vie. Je sais n'avoir que ce petit jour d'aujourd'hui à donner à celui qui m'appelle pour toujours. Mais comment lui dire oui pour toujours si je ne lui donne pas ce petit jour-ci ?
Dieu a 1000 ans pour faire un jour. Je n'ai qu'un seul jour pour faire de l'éternel. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Un grand merci encore à chacune et à chacun. Belle route vers Noël et belle fête de fin d'année. Déjà une grande foi, et puis il est très convaincant, très doux, et c'est un monsieur que j'admire beaucoup. J'ai vu les affiches, et puis sinon ça a été annoncé par les amis, et puis dans les paroisses aussi, quoi. Le titre de son intervention, c'était quand même une conférence d'avant, donc on s'attendait à un témoignage de foi. Et disons plutôt le sous-titre à propos des hommes et des dieux. Donc moi je m'attendais aux deux en fait. Ce qui m'a frappé en voyant ce film, c'est à la sortie du cinéma, à la fin du film, les gens qui restent jusqu'à la fin du générique en silence et qui sortent en silence. Moi j'ai jamais vu ça à la fin d'un film. Et donc ça veut dire que ce film fait passer quelque chose de très particulier. Enfin bon, on sort de là assez recueilli. Et il a un peu expliqué en fait l'ambiance qu'il y avait sur le tournage et qui finalement allait au-delà d'un simple jeu d'acteur. Hein. C'était vraiment, ils ont vécu quelque chose ensemble. Chacun peut-être aussi personnellement suite à la retraite qu'ils ont faite à l'abbaye de Tamier. Il y a beaucoup qui sont allés voir le film et qui n'étaient pas croyants. Donc ça attire pas forcément cette histoire, ça touche pas forcément que des croyants. Voilà. Tous les gens étaient plongés dans l'atmosphère du film encore pour ceux qui l'avaient vu. Et je pense que par rapport à ce que Michael a transmis ce soir, je crois que les gens étaient subjugués, quoi. Et je crois que c'était une émotion tellement, tellement forte qu'on ne peut pas sortir neutre de cette soirée, quoi. J'ai trouvé vraiment ce que Michael Lomsdal a dit vraiment intéressant et très humaniste. Il y avait un côté, je pense que même si les personnes qui étaient là n'étaient pas croyantes, ont dû voir ce côté humaniste et je pense que ça les a vraiment... Je pense que ça a pu toucher plus d'un. Alors comment ça se fait que vous soyez venu ce soir? Je suis venue avec ma grand-mère et parce que je fais des études en cinéma. Donc je suis en deuxième année de licence et donc j'ai profité pour voir l'acteur qui venait et en même temps le chrétien. Ben, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Michael Lomsdal, à la fois par l'expérience du film, mais aussi son expérience personnelle qui m'a beaucoup touchée. Et je crois que témoigner de ce que nous vivons, eh bien, c'est vraiment ce qui touche. Tout le monde se reconnaît et peut entendre une parole et peut s'ouvrir à quelque chose. Quoi. Peut-être pas tellement, enfin, il y en a parlé à la fin de cet enfant qui vient et qui change tout dans le monde. Mais c'est vrai que si cet enfant n'avait pas été là à Noël, lui ne serait pas là non plus. Plusieurs personnes m'ont parlé de ça en me disant « Tu as entendu le thème du pardon, j'ai été touchée par ça. » Et justement parce qu'il a parlé de lui, pas parce qu'il a parlé par son intellect ou extérieurement, il a parlé de ce qui... De son vécu à lui. Et c'est ça qui touche. Toujours, ça, je l'expérimente dans ma vie aussi. C'est témoigner de notre vie qui peut toucher les autres. Quoi. Être acteur et pas seulement être dans la parole pour parler de quelque chose extérieurement, mais on sent quand c'est du vécu. Et là, tout passe. Quoi. Pour moi, personnellement, je ne pourrais pas fêter Noël comme je l'ai déjà fêté en étant venu ce soir. Hein, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Et je crois que Noël, pour moi, sera certainement différent cette année. On est ouvert à autre chose que simplement notre vie, ici et maintenant. Ça nous ouvre à bien plus grand que ça. Quoi. Voilà.